Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul. En premier on a Satine qui a fait quelques apparitions accidentelles dans certaines vidéos. Donc là ça va être une des premières fois qu'elle fait exprès d'être dans une vidéo. Ensuite on a Milo, mon petit frère, qui est assez connu sur ma chaîne YouTube. Il est surtout connu pour sa chance incroyable dans les packs FIFA. Et enfin on a JDK, Judikel, qui est capable de moves comme ça, mais aussi capable de blagues comme ça. C'est risky là. Nul. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un quiz. Je vais pouvoir savoir si eux connaissent bien ma chaîne YouTube et me connaissent bien personnellement. Du coup on va le voir grâce à ce quiz. J'ai préparé 10 questions sur ma chaîne YouTube, sur mes vidéos, etc. Enfin bref, il y aura des choix multiples parfois, mais des fois ce sera des réponses précises. Et aussi 5 questions sur moi personnel, genre juste comme ça. Je pense sur ta chaîne vous êtes nul, mais sur toi c'est vrai. Du coup comme vous voyez, il y en a deux qui ont une ardoise, un qui a des feuilles parce que le budget est pas très haut quoi. Une bonne réponse ça vaut 1 point. S'il y a un bonus dans la question, bah ça vaudra un point de plus, etc. Je peux retirer des points aussi s'il y a des tricheries. Donc il y a 3 participants et on va voir celui qui a le meilleur score à la fin. C'est parti. Ok, vous êtes prêts? Première question, combien y a-t-il de vues sur ma chaîne au total? C'est-à-dire sur toutes mes vidéos, combien de vues? C'est celui qui est le plus proche, là il n'y a pas de choix, celui qui est le plus proche gagne le point. Du coup notez votre réponse et puis ensuite Milo, faut pas que je la voie. Hein. Attends. J'ai pas vu. Non mais bah je sais pas, mais t'as un, vas-y. Ok, c'est bon, vous avez tous vos réponses? Ouais. Donc on va commencer avec Satine. Vas-y montre. Ok, 453 000. Ensuite JDK, 500K, donc 500 000 pile. Ok, Milo 600 000. Je vais vous dire combien j'ai de vues au total et normalement vous devrez savoir qui est le plus proche. J'ai en tout, et c'est un celui qui l'a eu, il est très très bon, hein, 595 000. C'est moi. Et Milo a mis 600 000. Du coup il est très chaud. T'étais vraiment très proche en plus, hein. Sachant que si cette vidéo fait beaucoup de vues, tu seras bien dessus. Du coup ça fait 1-0-0 pour Milo. Yes. On passe à une question un peu plus technique, c'est la deuxième. Combien ai-je fait de vidéos avec JDK sur toute ma chaîne, en fait? Mais il va savoir. Non, non. En gros c'est toutes les vidéos où il est apparu. Parce qu'il y avait par exemple des moments de Bréa que je mettais dans d'autres vidéos, etc. Que j'incusais, des fois je faisais des best-of et tout. Et il y aura un bonus pour celui qui me trouve la vidéo la plus vue avec Judikael. Par exemple, est-ce qu'on a bon sur la vraie question et qu'on a faux sur le extra? Est-ce que ça perd notre point ou pas? Non. Bon bah allez, notez vos réponses. Notez vos réponses. Ouais c'est dur. Sur le même endroit, on marque la vidéo qui fait le plus de vues. Si tu veux, ou le bonus, ouais, si tu sais vraiment. Donc on va commencer par Milo. Vas-y, montre. T'as mis 16 vidéos. Donc 16 vidéos, ok. Ensuite, Satine. Vas-y, fais voir. 11 vidéos, ok. Ah oui. J'ai mis la même, j'ai vu le bonus. Et JDK, t'as mis combien? J'ai mis 11 vidéos. Ok. Déjà, le nombre de vidéos, il n'y a personne qui l'a eu pile. Et je peux vous dire que il n'y a qu'un seul gagnant. Oh non. Et du coup c'est forcément Milo. JDK apparaît sur ma chaîne dans 20 vidéos. 20 vidéos sur ma chaîne. T'as vraiment compté dans ta tête? Ouais, j'ai compté les vidéos. Moi j'ai essayé mais... J'ai compté les explorations urbaines là, les 10 trucs. Et je me suis dit bon, ah oui, ça va rajouter 2-3. C'est incroyable ça. Par exemple, la main, et du coup celle qui a fait le plus de vues, remontrez. J'ai passé. C'est pas grave. De toute façon t'avais faux. Parce que la bonne réponse c'est parcours à Clamart. Yes. Limite je devrais t'enlever un point parce que t'as mis un T à parcours, mais bon c'est pas grave. Et en plus c'est un K. Donc Milo a 3 points, JDK 0 et Satine 1 point pour le bonus. Du coup on passe à la troisième question qui est celle-là, elle est vraiment technique. Dans la première vidéo parcours avec JDK, quel geste j'ai appris? Quel move j'ai appris? C'est bon? Vous me donnez les 3 et vous avez 1 point. Ouais, j'en connais qu'un. Okay. C'est toi qui me les a appris quand même, JDK. Ouais, ouais, je vois, je trouve juste. J'ai vu 26 fois cette vidéo. Ah ouais? Ah ouais, elle est fan, hein. Attends. Puis en plus, je donnerai peut-être un petit demi-point bonus à celui qui me les met dans l'ordre. Ah, de copier, toi. Fais attention, Milo, parce que la prochaine fois, t'as moins 1, c'est comme ça. C'est pas ça. Il est divertit, quoi. Il est divertit. JDK, vas-y. On va commencer par la réponse de JDK. Ah, j'ai mis ça. Socha, pas du voleur, se pendre. Ok, vas-y Satine. Saut de barrière, saut ciseau, variante du saut de barrière. Ok, ouais, et Milo. Saut de barrière,
Socha. Là vraiment Satine a été très forte parce qu'il y a eu les 3 et en plus dans le bon ordre, du coup 1,5. JKL, t'étais vraiment à côté de la plaque hein. Ouais, non, c'est toi qui m'as fait les tutos en plus hein. Donc vous voyez les points qui s'affichent à l'écran en ce moment même. Et du coup on passe à la quatrième question où cette fois-ci ça va parler de vidéos où il n'y a pas JDK dedans déjà. J'ai répondu à combien de défis de Vin Sky? Et là ça va être à choix multiple. Soit j'en ai répondu à 2, 3 ou 4. Il regarde pas tes vidéos en fait. Ouais, je sais, à part celle où il est dedans, il se rappelle un peu. Même pas. Même zéro, il a zéro le mec. Juste après des trucs, mais je sais pas si. On commence avec la réponse de Satine. T'as mis 2. Ok, JDK, t'as mis quoi? 2 ou 3 pour pas ici. C'est quoi ce grugeur? Non, j'ai écrit 2. Ok, t'as écrit 2, t'as écrit 2. Comme quoi c'est. Il a mis 2, il a mis 2. La bonne réponse, malheureusement, c'était 3. C'était deux. Yes. Bien joué, tout le monde a un point. Il y avait frappe où le goal l'envoie. Oui. Et il y avait le défi élimine-le où on fait élimine-le. Voilà. Voilà. Je vous prends mon premier point. Ouais, le mec prend son premier point. 3,5, 1, 4. C'est assez symbolique cette cinquième question, je vous le dis. Dans la première vidéo exploration urbaine, le cabanon hanté, qui est sorti il y a très longtemps en 2017. Elle est honteuse cette vidéo. Elle est honteuse, c'est vrai qu'elle est honteuse. Elle est encore sur ma chaîne, n'allez pas la voir. Ou à l'araignée. Qui crie ou à l'araignée? Ou à l'araignée. Est-ce que c'est JDK, Milo ou est-ce que c'est moi? Ah ouais, c'est... Ça, je suis sûr à 100. Ah ouais. Est-ce que vous vous rappelez de la scène déjà? Oui. Ah ça hésite, ça j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. C'est bon, tout le monde a sa réponse? Non. On va aller vite fait jouer à LOL. Comme tu veux. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a moi, toi ou Sati? Non, c'est JDK, Milo ou moi. Ok, donc rien à voir. Ouais. On commence par la réponse de JDK, s'il te plaît. J'ai mis Milo, je savais pas. Ok, ok. Satine, t'as mis quoi? Toi, donc moi, et Tristan. Énorme. La réponse, la bonne réponse, n'est pas JDK, n'est pas Milo, et c'est moi. C'est moi qui crie ou à l'araignée. En plus, c'est passé dans chaque intro. Je disais ou à l'araignée. Ouais, ouais. Ah, si vous voulez savoir, à ce jour, cette vidéo est fake. Tous les bruitages ont été faits après en post-prod. Question numéro 6. C'est une question tirée de la première vidéo que j'ai fait avec JDK, la vidéo coup franc postée le 8 mai 2017. Et la question c'est quoi la tactique de Judic? Ah, ok. Ah, mais c'est bon, j'ai. C'est vrai? Oui. Là, il y a des propositions en plus. Il y a des propositions. Tu sais, vas-y. Petit filet gauche. Soit petit filet droit, soit un gros bourrin au plein milieu. Tu te rappelles? Si c'est pas ça, marrant. Là, c'est grave parce que là, tu l'as vraiment inventé, genre. En plein milieu, donc un gros bourrin en plein milieu. Milo, petit filet gauche et JDK. Petit ouais. Filet gauche et je peux vous dire que Satine a faux. Satine a faux, c'était petit filet gauche. Bien joué. Bien joué, bien joué JDK, bien joué Milo. J'ai tenté de la tactique de JDK à rat de terre à gauche. Septième question, on passe à la septième. Là, ça va être une question un peu technique aussi. Ma vidéo la plus vue de ma chaîne, à savoir la vidéo où je vais à Intersport acheter mes chaussures, elle dure combien de temps? Et là, il y a trois réponses possibles. 3 minutes et 50 secondes, 3 minutes et 20 secondes, et troisième proposition. Tu sais pas parler. 4 minutes et 20 secondes. Moi j'aurais dit un bail de 6 minutes. Moi j'aurais dit 7 minutes. 8 minutes. Ouais. Ah, c'est... Mes vidéos étaient très courtes avant. Dans ma tête, je... bon, c'est un vrai upload de 20 minutes en fait. Ouais. Milo, si tu copies encore, je t'enlève un point. Vous avez tous votre réponse? C'est ça y est, il a mis 4 minutes 20. Ensuite, Satine, 3 minutes 50. Aïe. Et JDK. Il a mis pareil. 3 minutes 50 et c'est assez incroyable ce qui se passe parce que personne n'a eu la bonne réponse. C'était 3 minutes 20. 3 minutes 20. Ouais. Du coup personne n'a récolté de points sur ce round. On va tout simplement passer à la 8ème question. Rikel, c'est le moment de te rattraper là. C'est maintenant. Je sais pas si vous savez mais sur ma chaîne souvent je parle de foot et ça s'appelle des causeries. Et la question c'est combien ai-je fait de causeries sachant que j'ai fait une causerie bonus. Et c'est celui qui est le plus proche ou celui qui tombe dessus. Ou pas, ou c'est... Non, c'est faut vraiment choisir, faut deviner. J'en ai aucune idée. Ah ouais, c'est chaud. J'ai est-ce commencé. Que c'est à 2 chiffres? Je te dis pas. T'es un ouf toi. C'est à 3 chiffres. Ouais. T'es un ouf toi. J'en ai fait 2 en 20. Vous êtes prêts ou quoi? Ouais, vas-y. Je sais pas en fait. Je veux la réponse de Satine. Et elle a mis. Ah 6, ok. Elle a mis 6, ok. Ah, je dis qu'elle, t'as mis combien? J'ai mis 4. 4, 4 causeries, ok. J'ai mis et Nido, t'as mis 7. Ah, j'ai pas compté le bonus. Moi, j'ai mis 4 sans le bonus.
Mais j'ai dit qu'il y avait le bonus, non. Sachant que j'ai fait une causerie bonus. Sachant que j'ai fait une causerie pour chaque match de Champions League de Paris cette année. Ah ouais, mince. Quart, demi, finale. Déjà ça fait 3. Bah du coup c'est vidéo, ouais. La réponse est... C'est un peu long. 9. J'ai fait 9 causeries, yes. C'est mieux qui remporte le point. 9 causeries, ouais. Non. C'est quoi, dès que tu l'as sorti ton truc, je me suis dit, oh elle l'a eu, incroyable. Et en fait, après t'as tourné. Il m'a dit qu'il avait mis 4, j'ai commencé à stresser, je me suis dit, oh ça se trouve. Ah, et ça se transmet les réponses comme ça dans le jeu, quoi. Donc, je peux pas jouer, quoi. Question 9, avant-dernière question de ce quiz. Le mec qui rage quitte le jeu. Alors, l'année dernière, sur FIFA 20. Oh non. J'ai packé une icône, laquelle? Et là il y a 3 propositions et c'est Milo qui l'a packé en plus, donc normalement il devrait savoir. Première proposition, De Sailly. Deuxième proposition, tu sais pas parler. Deuxième proposition, Pelé. Ou troisième proposition, Vieira. Mettez votre réponse, c'est parti. Bah, si tu copies, je te jure, toi t'es vraiment... C'est énorme, je sais pas. On commence par la réponse de JDK, c'est parti. Vieira, okay. T'as mis Vieira, on va pas, on va t'excuser, t'as mis Vieira, ok, la réponse est Satine. Vieira, et Milo, t'as mis quoi? Pelé. Tu l'as mis à l'envers. Honnêtement, Milo, si t'avais mis De Sailly, je t'aurais tué. Ouais, c'est ça, c'est Vieira, tout le monde a le droit. Bravo. Ouais, Pelé, c'est hardcore. J'en ai mis un peu obvious, tu vois, genre que personne n'allait prendre. Pelé, ouais, tu vois, c'est pour ça que je me suis dit. C'est une animation, comme vous pouvez voir, une grosse animation. Et là, je vois que c'est une carte spéciale. Français, je me dis, ça va être Griezmann in form. Mais en fait, non, c'est une icône. Et c'est Patrick Vieira, 88. C'est même pas la carte 86, tu vois, un petit peu basse. C'est la moyenne. 8 points. Je passe à 3. 8 points, 3 points et 5,5. Ok, on est bientôt à la fin de cette partie sur ma chaîne YouTube. On passe à la dernière question, la 10e. On revient un peu aux bases avec des nombres. Il y a 3 réponses possibles. Combien de vidéos sont en public sur ma chaîne à l'heure où on tourne cette vidéo? Ah ouais, le mec est désespéré. Attends. 60, 148, 412. Non, non, j'ai, pour que vous vous rappelez, j'ai mis... 30, non, pas du tout. 30, beaucoup plus, 50. Mais non. T'es un, j'ai fait 20 vidéos avec toi. Ah ouais. Soit 147, 247 ou 347. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ouais, attends, parce que là, j'hésite entre deux. C'est compliqué, la question. Comme c'est la dernière question, vous avez tous montré votre réponse en même temps. Sur 147. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. 147, ah ouais. 147, 247, 147. Et la réponse? Okay. Mais JDK, t'es nul, c'est incroyable, tu m'as dit d'accord, mais c'est trop nul. Tu m'as dit c'est trop nul, c'est incroyable. Tu m'as dit tu as fait beaucoup de vidéos. Ah ouais, mais pas autant quand même. 147, bravo. Bravo, c'était la bonne réponse. JDK qui est enterré à présent. Aïe. 9, 3, 6,5. On passe à la deuxième section de questions qui va être plus courte. 5 questions sur moi, sachant que mon frère et ma soeur, en fait, on se voit un peu tous les jours. Et je n'ai qu'à deux fois par an, quoi. C'est ça qui est mental. Première question, dans le personnel, ça peut être un mind game, ça peut... Quelle est ma couleur préférée? Si c'est pas ça, je suis dégoûtée. C'est une couleur derrière pas ça. Ah, j'hésite. À chaque fois, il hésite et il a peau. Et c'est quoi? Ok, je demande d'avoir la réponse de Milo, s'il vous plaît. Le violet, ok. Satine qui a mis le violet. Ça y est. Et JDK qui a mis le rouge. Non, JDK. Je suis désolé, ça devient un peu embarrassant pour JDK. Je me prépare pour la prochaine. Ah oui, ok, je me suis dit, ok, donc la réponse c'est le violet. Ouais, bravo à vous deux, bravo. J'ai un pull, ça serait... J'ai un pull violet. En plus, tu réfléchis, tu me regardais pas, genre tu es... Milo a dépassé la barre des 10 points sur 11 questions. Le mec est chaud. Là, la réponse en gros, ça va être, je choisis la réponse que je préfère. La plus drôle, la plus, tu vois, celle que je préfère. Si un jour je devais ouvrir un magasin, j'y vendrais quoi? Et là, du coup, je prends ma réponse préférée. Allez, fin. Si je gagne pas la parole, je comprends pas. Si peu drôle ce que je vais écrire. T'as qu'à mettre un truc sérieux. Sérieux, hein. Ah, c'est fou. Ah, ça serait énorme si t'as mis ça. Du coup, tu as laissé 9-10. Ouais, Milo, si tu mets des chiens chauds, t'as perdu. Je demande à voir la réponse de Satine. C'est très peu drôle. Oui. Vas-y, de la cam. Okay. Ah oui, de la cam, parce que les caméras. Voilà. Ensuite, je veux la réponse de Milo. Non. Si. Vas-y. Caméra waterproof violet. Alors, t'es éliminé. Non mais même sans voir le truc de j'ai dit que je sais. Vas-y, je pense que je suis plutôt serein. T'es sûr, saucisse? Oui. Oui, c'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné pour JDK qui obtient le point. Ouais, 4 points pour JDK. Il n'a pas eu de point depuis 2007. Troisième question, selon vous, en 2020, quel album de rap FR j'ai préféré entre Trinity de Laylo
MILS3 de Nino ou Scar Hours de Scarlord. Je sais pas comment c'est écrit. C'est pas grave. Ok, je veux voir la réponse de JDK maintenant. Trinity, ok. Satine, Laylo, Trinity, pareil, Emilo, Nino. Le seul qui a mis Nino, c'est lui. Ça veut pas dire que c'est mon album de rap FR préféré, mais entre les trois, celui que je préfère, c'est Trinity. De Laylo. Ouais, Nino, il est bien, mais je préfère celui de Laylo, personnellement. Du coup, JDK qui remonte à 5 points. Satine, t'es à 8,5, je crois. Emilo, toujours à... Là c'est une question où je vais choisir ma réponse préférée encore une fois. Oh non. Ah bah oui, bah oui. Si moi j'étais un rappeur, ça serait quoi mon nom? Ce serait mon pseudo de rappeur, tu vois. A vous d'inventer un nom de rappeur potentiellement que je pourrais utiliser dans le futur. Non, c'est faux. Bon, alors là je vais vous épargner un peu de la partie où ils cherchent leur réponse, parce que contrairement aux autres questions où ça allait plutôt vite, là ils ont littéralement pris 7 minutes à trouver un nom de rappeur. Bon, j'avoue que la question elle était pas facile, mais au bout d'un moment c'est un quiz, c'est pas un contrôle de maths. Bon allez Milo, tu finis ta phrase. Parce qu'on dirait que c'est une phrase. Buenos dias. Mais non, on peut pas violer ça. Je tiens à voir la réponse de JDK en premier. King Triste, ah ok. La vidéo de la honte, non je rigole. C'est pas nul mais c'est pas Non arrête. Freeze Arrow, Brice Partout, Tristanos. C'est un peu long. C'est un peu long. T'es disqualifié, ouais. Encore une fois, ça fait pour la deuxième fois. Mec, j'hésite à t'enlever des points pour ça quoi. C'est un peu long quoi. Et sa team, t'as mis. Moi j'ai pas fini en fait, je l'ai rejeté. Waluigi. Non, c'est Gael ça, non vas-y. Et là c'est Jdikel qui remporte le point. Le sixième point, le sixième point. Quel homme. Oh là 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 là. C'est incroyable cette émission parce que là nous avons Milo à 10 points, ça fait longtemps qu'il est à 10 points. JDK il est à 6 points et Satine toujours 8,5. Ok, donc on passe à la toute dernière question. Cette question va valoir 5 points, ce qui peut permettre à JDK de passer devant et d'avoir 11 points. Mais c'est encore une question où je choisis la réponse préférée. Tout va se décider là-dessus. Et la question c'est, pour faire un max de vues sur cette vidéo, comment je devrais l'appeler cette vidéo, le titre? Et celui qui gagne, ce sera vraiment le titre de cette vidéo. J'ai perdu. Et là, là la grammaire va prendre un coup. Mais... Marqué deux lettres, j'ai fait une faute. Donc là ça va être le verdict final. Celui qui aura la meilleure réponse gagne tout le show. Du coup je vais demander à Satine de me révéler sa réponse pour le titre de la vidéo. C'est très basique mais... King Triste Crazy Show épisode 1. Non, 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 t'as pas le droit de faire ça. Non mais c'est au cas où, si je sais pas, il y a des épisodes avec d'autres guests. Milo, je veux voir ta réponse. Le retour d'une légende, Fiji DK, Satine Milo. Alors là, on sait vraiment pas dans quoi on s'embarque quand on clique sur la vidéo. Sachant que le retour, t'étais sur ma chaîne il y a à peine un mois. Donc le retour, ok. Et du coup, JDK qui va montrer son titre. Aïe, ah yes, ça va. Un gros souci mental. Me connaissez-vous vraiment? Challenge. Satine, du coup, elle met vraiment que c'est un show, c'est-à-dire que c'est une émission. Par contre, c'est en anglais, du coup, c'est un peu bizarre. Par contre, il y a JDK qui met Me connaissez-vous vraiment. Entre parenthèses, il met challenge. Alors, techniquement, c'est pas vraiment un challenge, c'est plus un quiz. Il y a Milo qui met Le retour d'une légende. Par contre, il a fait l'effort de mettre fit JDK, Satine, Milo. Ça, j'aime bien. En fait, il y a une partie que j'aime bien dans chaque réponse. Peut-être que j'ai combiné les trois, en fait. Ouais, il faut qu'il y ait un gagnant. Dans cette émission. Et le gagnant, le grand gagnant de cette émission. Non, c'est fou, quoi. C'est dingue. Celui qui est couronné ce soir, c'est. JDK, JDK qui est en Satine qui finit 3ème avec 8,5 points, ce qui est quand même un bon score. On peut l'applaudir, je pense, quand même. On a Milo qui s'est complètement écroulé. Il avait accumulé 10 points, mais ensuite il n'a pas réussi à en vrai récupérer. Il finit avec 10 points, on peut l'applaudir quand même. Et la première marche du podium, il était tout en bas. Il est remonté jusqu'en haut et il prend la victoire à la dernière question. JDK avec 11 points, un de plus que Milo. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Satine, Milo, JDK et moi-même pour cette émission. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Non mais je suis désolée, moi je suis pas d'accord avec ça. Franchement je mérite de gagner.